Mesdames et messieurs, inconditionnels de Génial TV, bonjour et bienvenue sur l'événementiel de Génial TV. Le réseau national des serviteurs et servantes de Dieu est mis sur le fond baptismaux ce vendredi 1er novembre 2024. Ceci est une ordonnance de l'Éternel Dieu des armées à son serviteur, le visionnaire Élie Moïse Bertin Didjoro. Suivez le reportage de Génial TV. Louanges, chants et danses ont accueilli les délégations des pasteurs serviteurs du Dieu venant de tous les 12 départements du Bénin. Ce n'est pas un culte proprement dit, mais une cérémonie de lancement officiel du réseau national des serviteurs et servantes de Dieu, Renaced Bénin. Porté sur les fonts baptismaux ce 1er novembre 2024 au camp de prière de Gakpé dans la commune de Ouida, Renaced Bénin Christ est-il divisé à un bureau exécutif national de 13 membres et 12 coordonnateurs départementaux. Cette confiance d'alliance, non, alors si tu es qu'il a envers un modeste personne, cette grâce reçue de Dieu, jamais au nous prions de ne pas la recevoir encore. Non, elle est de famille. Et nous promettons, toujours par la grâce de Dieu, je reprends d'amis. De travailler pour l'unité, pour l'amour, pour la communion, afin que le corps de Christ dans cette nation soit encore éparpillé. Travailler pour l'amour et l'unité est notre bataille. Travailler pour la qualité des ministres de Dieu et notre vision. Travailler pour la propagation de l'évangile de notre nation et notre mission pour hisser les tendards. Ceci est une recommandation de l'Éternel Dieu Tout-Puissant à son serviteur, le visionnaire Élie Moïse Didjoro, avec une forte approbation des grands serviteurs de Dieu. L'impression est très bonne. Elle est très bonne parce que le parcours n'a pas été du tout facile. Vous savez, d'abord, quand on parle de Renaced, c'est le réseau national des serviteurs et servantes. Ce lancement officiel qui a eu jour aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier l'Éternel parce que avant que cette date n'arrive, nous avons rencontré beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile. On a rencontré toutes les tempêtes, mais par la grâce de Dieu, comme c'est Dieu qui l'a voulu, en l'utilisant et son serviteur du nom de Bertin Moïse à Niambosu Didjoro. Vraiment, comme vous le voyez, la sortie a eu lieu. Le nouveau bureau a été installé dans
le président a pour nom Davano Arnaud. Notre souhait pendant les 5 ans que nous arrivons à réunir tous les hommes de Dieu dans un même creuset. C'est ce qui est le véritable problème dans cette nation. Tout le monde s'appelle chrétien, tout le monde se dit chrétien, mais il n'y a jamais l'unité entre nous. Comme le slogan l'a dit, Christ est-il divisé? Non. Christ est-il divisé? Jamais. Christ n'est jamais divisé. C'est nous les hommes qui nous divisons. Au fait, c'est nous les hommes qui nous divisons. Mon appel, c'est de dire à tous les appelés de Dieu, à tous les serviteurs et servantes de Dieu, de parler le même langage, d'aimer les uns et les autres. Car Christ nous disait que si vous vous aimez les uns les autres, vous êtes enfants de Dieu. Alors, ma question que je me posais entre-temps, avec la division qui existe parmi les hommes de Dieu, est-ce que nous sommes enfants de Dieu? C'est une question que moi je mets en suspense. Mais avec la naissance de Renaissance, je crois dans les jours, dans les mois à venir, le résultat sera promettant. Oui, je suis émerveillé par l'événement qui vient d'avoir lieu. Parce que ça, déjà en annonçant, en décrivant comment la vision est née dans le cœur du frère Anyanbosu, ça nous a fortement réconfortés. Ça montre qu'en mettant en place Goshen, c'était déjà aussi à la suite de cette première vision donnée à M. Anyanbosu, un appel de Dieu. Parce qu'il y a une similitude entre, je dirais, Dieu a laissé une partie de vision à Anyanbosu et a donné également d'un autre côté cette vision au bishop Okumenu, si bien que les deux sont en train d'être complémentaires. Parce que ce lieu, Dieu a appelé le bishop à le mettre en place pour que le corps du Christ soit uni. Si les membres des autres religions s'unissent, pourquoi pas les dirigeants des églises évangéliques? Les serviteurs de Dieu doivent se réunir dans un même creuset pour que le corps du Christ soit un et indivisible. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien, rendrons la gloire à l'Éternel Dieu des armées. Génial TV, la chaîne qui bouge avec nous.